Bon, aujourd'hui, nous sommes sur le plateau pour voir l'espace partout sans escale pour montrer à l'opinion nationale et l'opinion internationale que le troisième mandat demandé par le président Alassane Ouattara, il est de trop. C'est un mandat anticonstitutionnel. Nous n'allons pas croire que quelqu'un qui a passé le plein de son temps, je dirais, aux États-Unis, qui connaît un peu les fondements de la démocratie, puisse œuvrer, manœuvrer pour une manipulation constitutionnelle. Le peuple ivoirien n'est pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord avec ça, ni aujourd'hui, ni demain. Nous sommes ici, non pas pour faire plaisir aux gens, mais pour que Ouattara laisse le pouvoir. Ouattara quitte le pouvoir. Nous avons besoin que la vraie démocratie s'exprime dans ce pays. Et la démocratie, c'est la volonté du peuple. Le peuple ivoirien dit non à un troisième mandat. Le peuple ivoirien dit non à une manipulation constitutionnelle. Le peuple ivoirien dit non et oui à la paix, oui à la vraie réconciliation. Je vous remercie. De bien prendre place dans les tribunes. De bien prendre place. Voilà, salut les Ivoiriens et pays de peuple. Salut le monde entier. Vous voyez bien, nous sommes ici en Côte d'Ivoire et nous sommes dans le cadre des élections, des préliminaires, de tout ce qui concourt aux élections crédibles en Côte d'Ivoire. Mais je veux faire remarquer quelque chose. Depuis que l'opposition a commencé à marcher les mêmes loups, nous voyons des machettes, des couteaux, des armes blanches, et nous voyons que les gens agressent leurs frères. La police, la gendarmerie, l'armée de Côte d'Ivoire ne réagit pas. Mais le monde entier même qui voit ça, la communauté dite internationale ne dit rien. Elle se tait là-dessus. Les images sont nombreuses et les images parcourent le monde entier. Mais il n'y a aucune personne qui puisse lever le doigt pour dire non, il faut arrêter. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas une vie qui est meilleure qu'une autre. Nous sommes tous des humains et nous avons chacun son droit. Et nous manifestons notre droit, nous réclamons notre droit, les mêmes nous. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui ont des armes, qui sont même armés par le pouvoir, et tout le monde le sait, et qui agressent leurs concitoyens. Ce n'est pas normal. C'est ce que je voudrais déplorer. Merci. Bonjour frère. Bon. Je veux dire quelque chose à la nation ivoirienne. Il ne s'agit pas de parti politique. Il s'agit de notre propre. Il s'agit du pays. Prenons Ouattara là. Frère, on va dire la vérité. Ouattara là, normalement, tu vas avoir trop de mandat. On parle un peu, tu emmènes les gens. On parle un peu, tu emmènes les gens. Nous, on est fatigué de Ouattara. Il n'est qu'à aller chez lui. C'est pas un Ivoirien, hein. Les gens, on se voit en cours. Je remercie mon papa, aimé Henri Gomez-Bézé, le président de la nation. Je renvoie aussi à mon père, tout le monde, Babo. Moi aussi, FPI. Babo aussi, c'est FPI. Tout ce qui va arriver, ça va arriver. Si c'est en tête là, il va retourner, il va trouver la gouvernance chez moi. Je remercie. Bonjour à tous. Je suis le camarade Seri Dibori, membre du mouvement, je suis EDS. Nous disons non au troisième mandat de M. Dramane Ouattara. Il a fait deux mandats, ça suffit. Le peuple de Côte d'Ivoire en a marre. Parce que nous ne pouvons pas comprendre ce que dans un état, c'est la coulée seulement qui mange. Alors que nous avons 62 intimes de Côte d'Ivoire dans le pays, en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que c'est dans le nord seulement qu'il y a les étrangers, c'est dans le nord seulement qu'il y a les intellectuels et dans les autres pays, dans les autres villes de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas des intellectuels. On en a marre. C'est vrai, ils construisent des ponts. Ils construisent des ponts. Ils construisent comment on appelle des routes. Mais ce n'est pas la route que les Ivoiriens vont manger. Ce n'est pas la route qu'on va manger. Nous, on a faim. On veut un changement. On veut plus de ce mandat. Il y a des experts, les experts constitutionnalistes, tels que M. Ouattara,
Noga qui a rédigé la constitution. Il dit que monsieur Ouattara n'a pas le droit de priver un troisième mandat. Ça suffit. Nous ne voulons pas que ce qui s'est produit en 2012, nous ne voulons pas que cela se reproduise encore. Donc on demande de façon simple qu'il dégage, parce que nous avons affaire à un état voyou avec des ministres voyous tels que M. Agumanou qui dit, et je cite qu'il va fermer ce stade pour que ce stade soit une prison à vie. Mais nous attendons qu'il puisse fermer ce stade. Merci. Bon, je tiens à rappeler à tous les patriotes ivoiriens que la police de M. Dalman Ouattara nous a empêché de se rendre au stade Félix Houphouët-Boigny. Tout le plateau est quadrillé. On ne peut même pas voir ce plateau. Mais à tant que patriotes et pris de paix, nous sommes arrangés pour être présents au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est pourquoi nous sommes là. Nous lançons un appel à la communauté internationale de venir constater avec nous que M. Dalman Ouattara nous a empêché de se rendre au stade pour répondre à l'appel de l'opposition. Cela est inacceptable dans un pays qui se dit démocratique. Donc, chers patriotes, chers Ivoiriens, ceux qui sont encore derrière, je vous encourage à faire comme moi et de se rendre au stade pour dire non au troisième mandat illégal de M. Dalman Ouattara. Je vous remercie. Bonjour, je me nomme Assis. Vraiment, je suis heureux d'être au stade aujourd'hui pour dire non au troisième. Parce que ils sont fatigués, vraiment. Et rien. Voilà. Nous sommes ici. Tout ce qui nous empêche de venir à notre meeting, on dit non. On dit non à la majorité aujourd'hui parce que nous les jeunes de la Côte d'Ivoire, les jeunes ivoiriens, le peuple ivoirien, nous sommes fatigués des manipulations à chaque fois. En tout cas, nous sommes fatigués. Nous voulons la paix et nous voulons le développement de ce pays. C'est vrai, c'est pas parce que personne ne travaille. C'est vrai qu'il a travaillé, oui, mais c'est pas ce qu'il recherche. On veut aujourd'hui le travail. En souffle, nos enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Vraiment, nous voulons que tout change. Et nous sommes ici pour dire non au troisième mandat. Ok, les gars. Troisième mandat, non. Voilà. On ne veut pas de troisième mandat de Ado. Nous sommes fatigués. Nos parents sont fatigués. Nos enfants sont fatigués. Nous-mêmes, nous sommes fatigués. On veut que tout cela change à partir d'aujourd'hui. Où est la gare? J'aimerais dire comme ça à Dalman Ouattara de se rendre là où il est né. Si parce qu'il est ivoirien, un petit minimum de respect pour les ivoiriens. La constitution qui l'a permis, c'est la constitution qui a permis à ce qu'il vienne aujourd'hui s'asseoir pour dire le président. C'est que cette constitution dit qu'il n'est pas candidat, il est pour moi. Il veut pas mourir, on nous a tué dans le quotidien. A tout trois ans, il a oublié son père. On nous a fait dans le quotidien. Chez nos parents, chez petit ton père. Soit bien arrivé, il est parti. Sinon, on a un petit placard pourri, un seul petit placard. Voilà, il faut souligner que Alassane Ouattara nous a foutu la merde depuis 12 ans. Depuis 12 ans, nous sommes sous les bombes d'Alassane, les agressions avec les microbes. Aujourd'hui même, il y a des gens qui ont essayé de nous empêcher pour venir au stade. Mais cela ne va pas nous empêcher. Nous allons rester ici.
Merci bien. On va saluer la Je vous remercie.
commencer par MDS, la CDRV, l'AMD, AGI, le GPS, ils sont tous là pour dire non au troisième mandat anticonstitutionnel de Gabon Ouattara et puis oui à la DPDC civile. C'est ça qu'elle a remetté. Ça va. Oui. Je vois ici la DPDC civile, c'est non au déni de justice. Bien humain, je vous appelle pour le respect de notre constitution. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais ensemble que vous écoutiez les instructions de la
à la salle, il veut violer la condition du général. Il est abattu. La condition dit, c'est un mandat, chez lui. C'est un mandat. Il veut mettre un mandat, il va aller ailleurs. Mais c'est après de mourir. Voilà pourquoi je vais tirer pour toi. Dis-moi, est-ce que tu es d'accord pour le troisième mandat de Ouattara? Je ne suis pas d'accord.